Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et on se retrouve pour notre épisode de Coliseum quotidien. Donc nous sommes le 2 août et je suis en compagnie d'un Ekaflip 155 qui s'appelle Ekai et d'un Ossa 175 Azarbak. Et je joue contre Bomber Twist niveau 164. White Fighter Yop niveau 172 et Aniripsa Zaina niveau 155. Donc je vais me mettre en tactique pour voir le placement. Le mieux c'est de se mettre là. Voilà, je vais aller me placer près de l'Eka directement pour pouvoir recevoir les boosts de l'Ossa. Et ainsi, bah, essayer de monter jusqu'à 11 PA. Je vais donner un PA en plus au... à l'Eka, comme ça bah, j'aurai 12 PA et lui aussi. Alors, comme je vous l'avais dit, j'allais vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé pour mes jours de travail. Donc le premier jour, bah, ça s'est passé super bien, même s'il y avait un peu de stress, comme c'était la première fois et tout ça. Bah, fallait apprendre aussi comment on faisait certaines choses, donc... c'était assez tendu, surtout 4 heures le premier jour pour commencer, bah c'est pas toujours facile. Bah, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Par contre, la coup critique à la maîtrise des arcs, ça c'est pas mal. Je demandais à l'Ossa de nous donner des paires. Voilà. Je disais que ça s'est super bien passé, mais... en fait, on a peur de mal faire, mais quand on fait quelque chose de mal, ben, les gens s'occupent vraiment bien de nous. Enfin, les gérants et tout ça nous disent « Ouais, il n'y a pas de souci et ça arrive à tout le monde. » Enfin, il n'y a pas de souci quoi. Pour le moment, sur... allez, je dois avoir fait quoi je dois avoir fait quoi, pardon. 200-300 hamburgers, plus ou moins, là, en 2 jours. Et j'en ai raté seulement 2. Donc, j'en ai raté 2, mais c'est pas vraiment raté, en fait, c'est... les petits pains qui sont restés coincés sur la plaque pour chauffer, donc on a dû jeter tout le burger. Mais on a juste jeté la viande et le pain, c'était le plus petit des burgers, donc c'est pas trop grave. Et à part ça, tout va bien. Hein. Je sais déjà faire tous les hamburgers de chez Quick. Et oui. Donc là, par contre, vous allez voir quand ça va être à moi de jouer. Si le roublard reste à portée, je vais me faire plaisir avec mon arc. Voilà, je vais me mettre en canal. Voilà, donc je lui disais juste qu'il fallait essayer de one-shot le roublard parce que j'ai déjà joué contre lui. Oh là là, 14 PA, 9 PM. Alors là, ça va être royal. Voilà, pardonnez-moi. Donc à mon avis, il va faire un rouble à botte. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et il va me foutre dans son mur de bombe. Par contre, moi, je vais venir. Je vais mettre mon rouble à botte. Et je vais le remettre lui-même dans son mur. Voilà, tire-moi. Par contre, j'ai peur qu'il se pousse lui-même. Par contre, je vais me mettre en tactique pour mon tour, pour éviter de faire des conneries. Donc il m'a juste retiré 2 PM, hein. Je risque encore d'en perdre 2. Parce que j'ai pas tant de... voilà, j'en ai pas perdu 2. Ça c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais déjà me décaler. Déjà invoquer mon roubla. Et je sors pas de coup critique, ça c'est assez dommage. Et je vais... non, je vais passer mon tour. Aspirateur, on fait le tour et on le pousse dedans. Voilà.
Donc ce que je vais essayer de faire pendant ce combat, c'est essayer de... de faire le plus de cac possible. Et quand ma vita sera plutôt basse, donc à mon avis après ce tour-ci, je vais essayer de retourner vers l'Osamon. Ah, l'Osa qui nous quitte. Ça, c'est dommage. Parce que je pense que franchement, la team en face était gérable. Donc on va bien voir comment le combat se continue, mais je pense que on risque de se faire battre à 3 contre 2, c'est pas viable. Donc, par contre, quelque chose qui m'est arrivé, ça m'a fait assez rigoler. J'ai dû tout à l'heure aller chercher faire les réapprovisionnements des bancs. Des bacs plutôt où il y a tous les aliments pour entre guillemets créer les hamburgers. Et j'ai assez rigolé parce qu'en fait il y avait la fille du gérant, une toute petite fille qui était à côté de moi. Et elle était passée derrière moi, je l'avais même pas vue, j'ai failli l'enfermer dans le frigo. C'est seulement vraiment en me retournant, je l'ai vue au dernier moment. Et je lui ai dit de sortir parce que j'avais fermé la porte. Encore un peu, je l'enfermais là-dedans, ça aurait été bien marrant. Qui n'a que 2 PM, donc logiquement je pense pas qu'il pourrait remettre notre Eka dedans. Je sais pas, j'hésite. Si, normalement il peut le remettre. Voilà. Là par contre ça commence à faire très très mal. Ce que moi je vais faire, je vais remettre le roublard dans son truc. J'ai fait une bêtise. Voilà, je sors les cas du truc, mais à mon avis, ça sert à rien. On risque de se faire massacrer. Donc aussi, j'espère que le combat va pas durer trop longtemps, parce qu'en fait, à 21 h sur le Ghoul Terminator, il y a un combat qui m'intéresse vraiment à voir. C'est Hagrid contre Jiva, et c'est la team de Jiva avec. Leur roublard. La team de Hagrid avec un roublard et un sacrieur. Plus un Sadi plus un Eka. Donc ça risque d'être franchement pas mal. Tandis que l'équipe de Jiva, c'est Kra, Eni, Yop, Panda. Donc des deux côtés, ça risque d'être que des classes vraiment des gros rocks. Donc je crois que ça va être un combat vraiment pas mal à regarder. Donc cette fois-ci, faites pas gaffe au gameplay du colis. J'ai fait un peu le con, j'ai bourriné dans le tas parce que je pensais qu'avec mes PA ça irait, mais le fait que le Sam parte, ça m'a pas fort aidé. Après, de la part de notre Eka, c'est pas super bien joué. Il va encore se faire remettre dans le mur de bombe. Moins qu'il fasse éclater une bombe qui est déjà à lui. Mais... il a fait péter, voilà, c'est bien ce que je pensais. Et il le remet dedans. Là, je vais essayer quand même de lui faire un maximum de dommages. Voilà, et on s'en va, et à mon avis... si les cas lui fait un mec, franchement tu gères, faut le dire. Je vais faire ma petite pub. Moi j'espère en tout cas, je fais le mieux que je peux pour vous proposer des beaux gameplays. Mais il y a pas mal de gens qui me disaient que je gérais pas vraiment la classe roublard. Mais j'aimerais bien juste que vous me donniez votre avis pour voir si je me suis amélioré.
Parce que moi, franchement, je trouve que je commence à gérer de mieux en mieux. Donc là, ça va être la mo ma mort. Bomber Twist qui va sûrement me tuer encore une fois avec une dague boomerang. Voilà, donc fin de ce combat-ci. Ça aura pas duré énormément de temps et c'était pas un combat super à regarder, mais je n'en peux rien, hein, c'était pas ma faute. Donc moi je vais vous laisser là. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, pardon, de Coliseum quotidien. Moi je vous dis à très bientôt et ciao ciao.